Bonjour à tous. Alors après une longue absence, je vous propose un plat rapide à réaliser, le boulgour. Alors tout d'abord, achetez le boulgour où apparaît le mot pilavlik. C'est celui qui est spécialement utilisé pour cette recette. Alors on va commencer par laver les deux tasses de boulgour. Alors les ingrédients se trouvent en barre d'infos. Ensuite donc nous allons ajouter un peu de beurre dans de l'huile, puis j'ajoute le poivron et l'oignon que je vais faire fondre. Lorsque les légumes ont bien fondu, ajoutez une grosse cuillère de tomates concentrées ainsi qu'une tomate coupée en petits dés. À cet instant, je vais seulement assaisonner de sel et de poivre. Vous pouvez rajouter du cumin si vous le souhaitez, mais c'est vraiment pas obligatoire. À noter, vous pouvez aussi rajouter vraiment un petit fond d'eau pour éviter que les légumes brûlent et collent au fond de la poêle. Par la suite, faites bouillir 2 tasses d'eau et ajoutez le bouillon de cube. À ce moment, nous pouvons verser le boulgour dans la sauce tomate. Vous mélangez et ajoutez le mélange donc de bouillon. Et ensuite, vous rajoutez en plus 2 verres d'eau chaude. On va maintenant couvrir le tout et laisser cuire 20 minutes. Lorsque les 20 minutes sont passées, vous n'avez plus qu'à mélanger votre boulgour et c'est prêt. Pour ma part, je vais accompagner ce boulgour simplement avec des côtelettes que je vais saler et poivrer. C'est une recette qui paraît longue en vidéo, mais qui est en réalité très rapide à réaliser. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt.